genre de choses. Comment les genres de choses? Toutes sortes. Depuis que je suis essayé que mon père me fasse pas rentrer à la maison parce que il refuse absolument tout contact. Et je trouve que quand je vais à la maison, ma mère elle est malheureuse parce qu'elle m'a dit oui, c'est plus ensemble et puis toi t'es tout seul dans ton coin, on sait pas ce que. On sait pas comment ça se passe. Si je vais toujours bien, si je vais tu... comment jouer, dis-moi. Là, il a besoin d'être un peu protégé, alors. Oui, quelque sorte, et puis d'être entouré, d'être un peu entouré, mieux entouré, ben. Justement, vous plaignez un peu que les gens parlent pas, qu'on donne pas facilement la main, comme ça. On sait qu'on donne pas facilement la main, si, mais c'est une main. Moi, si ça vous serre la main, tout le monde vous serre la main, si vous voulez voir son ambition, vous dites bonjour quelqu'un. Il vous regarde un petit peu baisé, puis il vous dit bonjour. Ça va plus loin. Quand on vous indiquait des gens qui avaient envie de vous rencontrer, juste comme ça, pour bavarder un moment. Ça ne m'est pas arrivé. Non, mais là, quand Denis vous a dit que nous, on avait envie de vous rencontrer, vous êtes venu pourquoi? Ah, je suis venu instantanément. Je suis venu pourquoi exactement? On m'a dit, tu verras. Alors je vois, c'est la question que vous me pouvez poser, de quoi il s'agit. C'est mieux. Je cherche une réponse à... aux ennuis de la vie, dans le fond. Hein. Mais si, ça va être dur, parce que dans l'hôpital, je me trouvais carrément face à face avec des... à des gens qui sont ailleurs, quoi. Vous êtes sorti de l'hôpital, là? Non, pas encore, non. Mais enfin, ça ne va pas terminer. Moi, j'ai passé 3 ans dans un hôpital. Ah oui?
pas le même genre, mais. Ouais. 3 ans, je crois. Et au bout d'un moment, c'est vrai, on se sent bien. Au bout d'un moment, on entend mon temps avec notre propre solitude, et puis. Qui est toujours là et qui vous pose des questions, je m'en fais. Et pourquoi vous pensez que quand vous sortez, vous allez voir des gens qui sont. Pas d'accord avec moi. Il m'arrive, je sors dans la rue, je suis à Carrefour par exemple, j'oublie ma montre, je demande l'heure, paf, tout de suite, ma façon de demander l'heure, ça fout les gens. C'est plus naturel, quoi. Oui, comme. C'est rien que la façon de. C'est ce que c'est, on est. Comment dire. Je sais pas comment dire quand tu. Ouais. Enfin, rien que la façon de. De dire. De réponse, la réponse qu'on a, quoi, c'est déjà gênant. Vous dites, si vous êtes parti d'une belle journée et puis que vous dites, je demande de quelqu'un. Si c'est positif avec un sourire, ça va, sinon. Ma foi. Mais vous demandez de quelle façon? Je demande de quelle façon, d'une façon normale. Ben alors, et pourquoi? Je sais pas. L'impression qu'ils sont agressifs dans leur réponse, tout de suite. Bon, c'est la vie qui est agressive, aussi bien. Ouais. Bien. Ou à la manière, je sais pas s'ils sortent de l'usine ou du travail. Oui, c'est pas. Ça. Donc ça doit pas vous faire peur, parce qu'ils sont comme vous. Non, mais pareil que ça, différentes choses, bof. Vous pensez qu'ils sont à un autre endroit que vous? Oui, sans doute. C'est important, même si une fois que je suis sorti de l'hôpital, on ne demande pas grand-chose, c'est vrai. Hein. Mais avec le fait d'avoir une connaissance, même s'il n'est pas particulièrement. Si c'est pas particulièrement amical, qui vous aurait baladé au moindre petit besoin, ça fait rien. Mais si d'avoir un copain, par exemple, moi, sur l'hôpital, avoir un copain qui vous serre la main un peu tous les jours, qui vous propose des rencontres sportives ou je sais pas moi. Mais ça, c'est dur, hein. C'est pas facile de manger que. Pas facile. Et vous avez inventé ces problèmes-là, dès que votre sortie de 3 ans à l'hôpital, vous avez fait. Ouais. Mais la sortie, vous avez trouvé des copains, vous avez pu faire des copains Non, on m'a trouvé, mais. C'est mes copains qui m'ont trouvé méchant quand je suis sorti. Ah bon? C'est un peu. Ouais. Non, moi, j'ai toute une flopée de copains, pas de copains, de cousins. De cousins en dehors de l'hôpital, mais qui vont. Ils vous disent bonjour tout en distance, sans distance. Ils sont pas. Ils viennent pas vers vous comme ça, les bons, dire bon, la serre dans la main, viens, je te paye quelque chose à boire, enfin, ils font pas avoir soif. Enfin, tout ça.
Pour parler à... Pour parler de n'importe quoi, même. Avoir ces chances-là, rien à faire. Allez, où sont les armoires? Je me suis dit, où sont les armoires où on peut se faire des amis dans les balles, le samedi soir, tout ça. Mais moi, ça, c'est fini, moi, les balles, tout ça, quand on y va, c'est pour écouter, on va se s'amuser, puis écouter un peu de musique à la rigueur, si c'est musique, hein. Mais sans ça, à part ça, je au cinéma, c'est pas toujours facile. Puis à 30 ans, vous savez, à 30 ans, moi, personnellement, je sais que c'est pas n'importe quoi, même l'amitié de... Même l'amitié de quelqu'un qui est plus jeune que moi. Mais c'est pas facile, hein. Moi, j'ai toujours un... Alors, j'ai mes soeurs, vrai. C'est pas mes soeurs et frères, ils sont... Ils sont tout le temps occupés. Ils sont tout le temps... Tout le temps, ils... Ah non, je n'ai pas le temps, faut que je fasse ça. Non, non, ça marche pas, hein. Il n'y a pas tant de temps que... Pas tant de frères, c'est vrai. Ah non, ils sont brigands, quoi. Faut avoir des sujets de conversation. Oui. Comment un sujet de conversation. Sujet de conversation. Tout dépend de ce qu'on a fait la veille. Hein. Ça peut être plus ou moins intéressant. Hier, vous avez fait quoi? Hein? Hier, ce que j'ai fait, j'ai fait. Hein. J'ai regardé la télévision à partir de 5 heures. Je me suis reposé à l'après-midi. Qu'est-ce que j'ai fait en veille? Oh, je me disais, qu'est-ce que j'ai fait hier? Je me suis posé qu'on soit dans un café, vous oui. Venez là, puis... Oui. Puis, ben, je sais pas, moi je veux bien vous parler, mais il faut... Il faut que ce que vous avez fait hier m'intéresse un peu pour que je puisse m'y mêler aussi. Oui, effectivement. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Où j'ai téléphoné pour avoir une place de travail. Non, mais vous savez, quand on rencontre des gens, ils n'aiment pas tellement savoir ce que vous avez fait hier. Hein. Ils vous disent, quand ils vous disent, genre, bon, ben, que je te fais? Non, ils vous invitent à boire. Et après, ils s'en vont s'il est pressé. S'il n'est pas pressé, s'il a un petit ennui, il vous le vous suggère. Si. L'amitié, c'est vrai, ça. Moi, on habitait chez lui jusqu'à l'âge de 21 ans, j'ai toujours eu de bons copains, quoi. On était trois, on était tout le temps ensemble, ne serait-ce que dans les sorties du samedi soir. La musique, tout ça, on était musiciens tous les trois. Non, enfin, y a... Mais on a essayé de former un plutôt que son neveu. Ça, c'est ça va encore quand on a jusqu'à 18 à 21 ans, par exemple. Mais après ça. Alors, pour ma part, j'ai dû quitter la ville, j'ai dû quitter Chamonix pour aller à Saint-Denis. Et je me suis retrouvé face à toutes sortes de problèmes. Hein. Si vous deveniez muet tout à coup, enfin un accident, je veux dire, ouais. La langue coupée ou un chose comme ça, ça vous embêterait. Oh, oui, voilà. Pour ça. Je sais pas que. Et puisqu'on a du mal à parler finalement, parce que c'est difficile, personne ne veut parler, ça serait peut-être pas plus mal comme ça. Qu'est-ce qui serait embêtant quand même? Embêtez moi, j'ai pas combien comme idée. Non, non, qu'est-ce qui serait embêtant justement si. Pour... On serait embêtant, on dit qu'on ne peut pas parler, qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas envie, mais alors on peut se taire. Non, mais, oui, on peut se taire et puis souffrir tout seul, quoi. Mais sans ça, moi je ne suis pas tellement pour ça, hein. Moi, je me... Pourquoi les balles, c'est fini? Oh, parce que...
sais pas, moi, sans me croire super à qui que ce soit, mais enfin, je trouve qu'il y a des choses qui sont vulgaires, quoi. Il y a des gens qui se disent, ben, il y a une façon, mais je sais pas, moi, de danser, Alors, je me fous dedans, moi, quoi. Enfin, ça m'a passé, quoi. Parce que tout comme fait, on est tous pareils, à partir de 18 ans, si on est dans un bal, c'est pour rencontrer une petite amie, hein, qui vous écoute. Et puis, mais sans ça, bon, ça m'est arrivé. J'ai eu chance là, ça a duré un an. Puis après, pouf, tu vois. Vous aimez mieux, si on vous donnait le choix, vous aimez mieux parler ou écouter. Non, franchement, non, je préfère m'exprimer, quoi. Ça dépend si le petit copain est sourd, hein. Moi, j'ai mon frère et soeur, ils jouent quand on a quitté chez Monique, c'est là. Ils se sont fait très bien, hein. Ils sont plein d'amis, on va aller chercher à la maison, c'est vrai. Mon frère, il était pas encore marié, ses copains, il venait chercher en voiture, tous les samedis soirs, comme ça, hein. Ma soeur, c'est pareil, mon frère, lui, c'est pareil, ils viennent tous, chacun sur la vie, ça, ils font des anniversaires. Comme le dernier de mes frères, c'est un qui s'intéresse beaucoup à. Au sport, il fait n'importe quoi, il a mangé pas du hockey. Mais depuis, il est attaché à Grenoble, hein. Il a mangé pas du hockey sur glace, il a joué au football. Il a joué au football, enfin, il va dans une école de MJC, vous savez, une école de jeunes, quoi. Ça, ils sont assez. Ah, j'ai l'impression de ne pas avoir, de pas avoir pu suivre certains événements, quoi. Et puis leur. C'est venu comment, vous n'avez pas pu suivre? Je n'ai pas pu suivre, vraiment, j'ai été déçu parce que je connais quelqu'un avec qui m'a. Ça a été une double déception, ouais, parce que pour moi, mais pour elle aussi. De moi, elle ne va pas l'avoir comprise. Et puis elle, ne pas avoir fait d'efforts, certains efforts, quoi. Mais moi, j'ai eu du mal à m'adapter à la ville, quoi. Les patrons sont différents, ont une mentalité différente de Savoyard. Ils ont une façon de voir le travail. C'est souvent un désastre. Comment c'est un désastre? Ils sont pas. Ils s'imposent comme tels, quoi. Moi, ça va, ils sont là. C'est le patron. On fait ça, vous faites ça. On vous fait savoir tous les jours. Parce que ça.
me parler de du souci là, oui. Ah, bah c'est pour ça, moi. C'est... Non. Mes parents, ça c'est leur essayer de se séparer, et puis ils étaient ensemble deux jours, ben, on ne sépare, on ne sépare pas, on ne sépare, on ne sépare pas. Ils sont restés comme ça en ballant pendant trois ans. J'ai poussé ainsi que mes frères et sœurs, et on a fait contact avec la rudesse du climat qui était ambiant. C'est pas toujours bon. Mais hier, ça allait aussi. Oui. Puis demain, ça ira aussi. Je pense que oui. Mais chez tout le monde, il y a des choses qui vont pas tout à fait, tout en allant. Donc... Oui, c'est pas grave. Chacun, c'est assez complexe. Hein. Restez sans parler, à réfléchir, comme ça vous parlez. Réfléchir à quoi ? Vous parlez à l'intérieur, vous-même ? Non, bien. Non, c'est le vide, j'ai la tête complètement vide. Je pense absolument rien, rien de précis de moi. Mais ça vous embête un peu quand même, non ? Non, ça m'embête, non, ça m'embête pas. Oui, mais pourquoi vous êtes à la... Pourquoi vous avez senti le besoin d'aller à l'hôpital alors ? J'ai choisi le besoin d'aller à l'hôpital parce que je trouvais que, ça, que j'étais soumis à souvent le soir, j'avais envie de sauter par la fenêtre. Alors je me suis dit que je fermais un robinet, enfin que je fermais le robinet assez fort, je le redévissais, je le remettais pour si c'est, les portes étaient parées, je regarde deux trois fois si j'ai bien fermé, deux fois sans la porte. Deux ou trois fois ? Ah, oui, oui. Ah, je le fais 12 fois. 12 fois ? 12 fois. Et comme j'ai 3 clés, ça me fait 48 fois rien pour fermer une porte. Non, mais sans mentir. Enfin, disons, au moins 20 fois. Non, mais... C'est valable non seulement pour le robinet, pour la porte qu'on ferme devant nous, c'est valable aussi pour la lumière qu'on éteint. Et ça vous paraît pas normal ? Moi, ça me paraît normal, moi. Alors ? Oui, mais c'est un peu inquiétant, je veux dire. Normal et inquiétant à la fois. Parce que... Je fais la même chose que vous en plus, puis je vais pas à l'hôpital pour ça. Non, mais enfin, on peut pas dire que je sois allé spécialement pour ça, parce que là, j'étais à l'hôpital, j'en ai parlé. Ouais. Mais. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre alors ? C'est que je commençais vraiment à me répéter les choses sans cesse, quoi.